Assalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour terminer ensemble notre série sur Ahkam al-A'dad avec l'étude de la troisième et dernière règle essentielle à retenir qui est I'rab al-A'dad. Donc quelle est l'analyse grammaticale du nombre? Donc c'est très simple, le nombre, s'il est entre 1 et 10, d'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou bien si il fait partie des dizaines, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Ou bien les centaines, milliers, 100, 1000, etc. Alors, son i'rab, il sera en fonction de sa place dans la phrase. Tu'rabu hasaba mawqi'iha min al-i'rab. Donc, le 'adad peut être un fa'il, ça peut être un maf'oulun bihi, etc., etc. Deuxièmement, si le nombre, il est entre deux dizaines, c'est-à-dire entre 21 et 29, entre 31 et 39, entre 41 et 49, etc., etc. La première partie, par exemple, wahidun wa ishrun, donc wahidun, la première partie, tu'rabu hasaba mawqi'iha min al-i'rab. Donc ça pourra être un fa'il, ça pourra être un maf'oulun bihi, etc., etc. Et la deuxième partie, celle qui est après le waw, wa ishrun, ce sera un ma'touf. Donc, quand on dit par exemple « Ja'a wahidun wa ishruna taliban »« Wahidun » c'est un fa'il marfou' et « ishrun » ce sera un ma'touf marfou'. Donc ça, c'est concernant entre deux dizaines, entre 21 et 29, 31 et 39, etc. À l'exception que si c'est entre 11 et 19, alors là, on dira que c'est « mebni ala fathil juz'ayn ». C'est pour ça qu'on disait « Ja'a ahada ashara taliban ». On disait « ahada ashara » malgré que c'est un fa'il. Donc dans l'i'rab, « Ja'a ahada ashara taliban », on dira « ahada ashara adad mabni ala fathil juz'ayn fi mahalli raf' fa'il ». C'est de cette manière que on analysera grammaticalement les nombres entre 11 et 19. Mebni ala fathil juz'ayn. À l'exception uniquement de 12. Ithna ashara. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, la première partie, donc ithna ashara, ithna, ce sera en fonction de sa place dans la phrase. Ça pourra être un fa'il, ça pourra être un maf'oulun bihi, etc., etc. Et la deuxième partie, ashara, ce sera mebni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Donc si on dit ja'a ithna ashara taliban, on dira ja'a c'est un fi'l madi, ithna fa'il marfou' wa alamatu raf'ihi al-alif, et ashara mebni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Donc voilà, de manière simplifiée, l'analyse grammaticale d'A'dad. Donc j'espère que cette leçon était claire et qu'elle vous a été profitable. Avec cette leçon, on a fini notre série sur Ahkam al-A'dad. Comme je l'ai dit précédemment, Ahkam al-A'dad, c'est une leçon dans la langue arabe parmi les plus difficiles à retenir, étant donné le nombre de règles conséquentes à étudier. Mais ce qui nous importe, c'est de pouvoir bien s'exprimer et bien écrire sans faire de faute, en utilisant correctement le masculin et le féminin, et sur le dénombré, bien le choisir, qu'il soit mufrad ou bien jam' ou bien mansoub ou majrour. Donc, apprenez bien ces trois règles essentielles et vous maîtriserez, inshallah, cette leçon. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, une deuxième série de vidéos sera publiée prochainement sur les règles complémentaires sur Ahkam al-A'dad. Donc voilà, j'espère que cette série vous aura été profitable et je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos.